Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Je viens à peine de reprendre les activités ce matin. Je suis à mon cabinet d'écoute et de délivrance ici à Divo même, derrière la sainte pièce de Divo. Vous pouvez nous contacter pour ceux qui sont déjà de l'autre côté de la diaspora. C'est plus 225 47 07 23 28. Mais au fait, je vais communiquer un peu sur cette histoire d'enlèvement d'enfants. Vous savez que j'ai été le premier homme de Dieu déjà sur les médias à parler de ça. Vous dites déjà que ce problème-là, c'est un problème typiquement de la sorcellerie. Voilà, j'ai été tellement réjoui de voir des hommes de Dieu sur le Facebook réagir positivement face à ce fléau. Il n'y a pas que ce fléau, il y a un fléau en dessous qu'on appelle la sorcellerie. Tel que les gens de Dieu veulent depuis le vendredi, ils ont décrété un moment de jeûne. Nous avons commencé pour nous à prier pour ça. Sauf là que les choses ont commencé à prendre, à être vraiment plus au sérieux. Parce que moi, depuis que j'ai constaté ça, j'ai commencé à rendre la prière pour que les choses soient démasquées, pour que l'État se penche un peu sur ça. Parce que là, quand j'ai un fléau, il faudrait que l'Église s'élève. Ouais, donc, cette histoire d'Ebola, qu'on a appris cette histoire d'Ebola, c'est pour ça qu'ici, c'est la pancarte au niveau de notre mur ici. Il y a stop à l'Ebola. Nous étions les premiers déjà à communiquer sur ça pour commencer à prier. C'est vraiment un fléau et derrière ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a que la sorcellerie. Voilà. Vous savez qu'une personne qui pratique les crimes, cette personne est sorcière. Tout ça, nous avons parlé de confédération africaine, de crimes. C'est vrai que nous parlons de crimes spirituels, mais tout ce qui a fait la criminalité, c'est déjà un truc très grave et c'est la sorcellerie. Et c'est pour ça que nous prions le Seigneur pour que tous ceux qui sont derrière ça, les enlèvements des enfants, toutes ces personnes soient démasquées, détruites par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Mais j'aimerais que l'Église aussi pousse encore très loin, ça. Parce que c'est vrai que si on parle de soulèvement d'enfants, c'est très dangereux et mauvais, parce qu'il y a tuerie. Mais nous devons nous lever contre un fléau. Le grand fléau, c'est la sorcellerie. Si ces personnes sont débarrassées de ce démon-là, vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique totalement sera délivrée. Voilà, parce que ces personnes utilisent ces trucs pour aller faire de la sorcellerie. C'est toutes ces pratiques du fatichisme, sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Et je demande à l'Église de se lever. Levons-nous contre ce fléau. J'ai toujours communiqué là-dessus. Je n'ai jamais eu peur de parler de la sorcellerie. J'ai toujours parlé de la sorcellerie sans crainte ni peur. Parce que ce n'est pas une question de crassou. C'est une question de Jésus a vaincu la sorcellerie. Et ce qu'on appelle la réalité africaine, c'est non une réalité qui se vit ici, en Afrique. Et même ceux de la diaspora, même en dehors de la Côte d'Ivoire, quand tu vas te chercher, ils ont une fréquence, ils te captent et jettent ta vie. Bien que tu sois dans le Seigneur, si tu ne maîtrises pas certaines choses, les sorciers font de toi un esclave. Alors, il faudrait que l'Église communique. Il faudrait que dans nos églises, n'ayez pas peur. Les bishops, les révérendes, n'ayez pas peur, les évangélistes, n'ayez pas peur de ce sujet. Ce n'est pas une question de donner des révélations aux gens, des trucs. C'est une question d'attaquer un fléau. Une fois c'est attaqué, les hommes qui vous délivrez seront libérés. Une fois la torsionnée attaquée, c'est fini. Donc, il faudrait que l'Église entière se mette ensemble afin de pouvoir éradiquer ce mal. Et en même temps, nos activités ont repris. Voilà, nos activités ont repris. Il n'y a pas de problème. Le week-end prochain, nous aurons une retraite spirituelle dans notre grande base appelée Zaroko. Nos activités reprennent parce que j'ai même stoppé tout. Dans un premier temps, tout était ici, à notre centre de contrôle, ici au cabinet. Et nos activités allaient reprendre, effectivement, en février, ça reprend. La première semaine, c'est ce mercredi, nous reprenons toutes nos activités. Donc, je fais appel à tous ceux qui sont malades de ne pas manquer à cette retraite. Nous avons une retraite aujourd'hui, nous aurons une retraite la semaine prochaine. Nous avons démarré nos activités. Pour ceux de Nialipa, c'est très bientôt, nous aurons un programme à Nialipa, je suis en train de m'organiser. J'avais ma ISPAF, ma 4x4, parce qu'il fallait que je me déplace à 4x4, les voitures sport basse là. J'ai tous les poumons avec ça. Je suis en train de remettre ça au point. Voilà, donc c'est très bientôt. Le chat de communication donnera la date. Pour Zikiso, c'est très bientôt. Pour Issia, c'est très bientôt. Pour Saïwa, c'est très bientôt. Voilà, donc voici un peu ça. Nous venons de démarrer la nouvelle année. Il fallait aller un peu se reposer. Et en même temps, aider ceux du Maroc et tout ça. Donc j'en profite pour dire merci à toutes ces personnes. Et merci aussi à ceux qui des Aroko qui ne cessent de nous soutenir depuis la France. Voilà, qui ne cessent de nous, Louise, Elisabeth, Jeannette, tous ceux qui ne cessent de nous soutenir depuis la France et qui sont un peu inquiets parce qu'à un moment donné, on a stoppé. Non, ce n'était pas pour dire merde à Aroko, c'était juste pour une réorganisation du personnel au niveau des Aroko. Tout reprend.
nos activités reprennent cette semaine-là. Voilà, parce que le roi d'autres personnels a fêté là-bas. Et je pense que tout sera bien. Et je vous exhorte à fréquenter le camp de prière des Arocos. Voilà, donc le camp de prière des Arocos. Ici, c'est déjà ouvert. Voilà, donc shalom, que Dieu bénisse.